Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le vendredi 22 septembre 2023 et on va voir ce que vous réserve cette journée. Donc chiffre 22 pour cette journée, j'espère que ça va vous porter bonheur. Donc on va voir quels sont les messages. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous. Alors, nous avons le message, nous avons la purification par l'eau. Donc dernièrement, on a beaucoup des énergies de purification, de libération. Alors, l'élément eau, c'est vraiment en lien avec vos émotions, tout ce que vous ressentez en vous. Ça peut être aussi en lien avec vos relations. Donc, il y a quelque chose qui va être purifié, qui va être libéré. C'est comme si vous alliez pouvoir accueillir de nouvelles émotions en vous. Donc justement, on vous parle de purification, des émotions, rajeunissement. Alors ça peut être aussi une connexion avec la mer, ça peut être vraiment ici des énergies très intenses que vous ressentez en vous. Nous avons aussi le chiffre 32, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Donc je ressens vraiment à travers ce chiffre une libération des conflits, des tensions qui pouvaient être présentes. Peut-être que vous allez pouvoir aussi communiquer avec une personne pour exprimer ce que vous ressentez en vous. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va faire un tirage en 13 cartes. Alors, quelles sont les énergies? À la coupe, nous avons magnifique l'anneau et les souris. Alors, ici, on peut nous parler d'un engagement, on peut nous parler d'un contrat, d'une association. Il y a peut-être un petit peu de stress, un petit peu de nervosité à l'idée de vous engager dans un projet ou peut-être ici, on peut nous parler aussi d'un engagement avec une personne et on voit qu'il y a des doutes, des incertitudes qui peuvent être présents. Mais je ressens aussi que vous pensez énormément, vous réfléchissez énormément actuellement concernant un engagement que vous souhaitez concrétiser. Alors, on va voir les messages qui ressortent. Donc, 13 cartes. De 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc normalement le compte est bon. Alors au dos du jeu, nous avons la carte de la lune, nous avons l'arbre et le cavalier. Alors ici, ça peut être des nouvelles d'une personne, des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. On voit aussi des nouvelles qui sont en lien avec votre bien-être. Donc il va y avoir vraiment un désir de vous sentir ancré dans cette journée. Et on voit aussi de fortes intuitions qui vont être présentes. La lune vous parle de sensibilité, d'émotions aussi très fortes qui sont présentes en vous. Mais on voit que c'est quelque chose qui va vous guider, qui va vous permettre vraiment de vous sentir connecté avec tout ce qui vous entoure. Alors, je vais placer les cartes et on va voir un petit peu les messages. Donc, on va mettre ceci ici. Alors, en première énergie, nous avons la carte de la Vierge. Alors, la Vierge peut nous indiquer ici qu'il y a quelque chose qui va se représenter à vous. Ça peut être aussi en lien avec une personne de votre passé. Peut-être un ex, une ex ou une personne de votre entourage où il y a eu peut-être des tensions, des conflits qui étaient présents. Mais avec aussi cette carte, on vous parle de passion, on vous parle d'énergie très forte qui vous guide. Il peut y avoir aussi une forte attraction avec une personne, beaucoup de passion, beaucoup de désir. Nous avons la carte du monde. Donc ici, on voit qu'il y a certains blocages qui sont présents. Mais aussi, on voit que vous avez envie de relever de nouveaux défis, de pouvoir dépasser les obstacles qui sont présents sur votre chemin. Nous avons aussi la consultante. Donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation. On voit qu'il y a des ralentissements qui sont présents. Mais avec cette carte, on vous indique plutôt qu'il y a toujours un chemin pour pouvoir dépasser ces obstacles. Nous avons le cœur. Alors ici, ça peut être en lien avec une relation amoureuse. Ça peut être aussi en lien avec une personne de votre entourage, une relation qui est très importante pour vous. Avec cette carte, on voit aussi une relation qui va pouvoir se renforcer. On voit des sentiments très intenses qui sont présents. Nous avons aussi le cercueil. Donc, il va y avoir une transformation dans une relation amoureuse. C'est comme si vous alliez pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie. La carte du cercueil peut nous indiquer aussi qu'il y a eu une séparation qui a été douloureuse ou un changement de vie qui a chamboulé certaines choses.
Nous avons aussi la carte de l'ancre, donc on voit un retour à la stabilité. On voit vraiment ici que vous allez pouvoir vous sentir ancré. Par rapport à cette transformation qui est en train de se concrétiser, on voit vraiment ici qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Vous avez peut-être envie de construire un projet, de construire une relation, et on voit vraiment avec cette carte qu'il y a quelque chose qui va être durable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. Nous avons aussi les chemins. On voit plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Il est question de prendre une décision en lien avec une relation, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou autre. On voit ici que vous analysez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Mais on vous indique aussi qu'il y a une décision qui va être concrète, qui va vous permettre de retrouver la stabilité. Nous avons aussi la cigogne, donc on voit un choix qui va amener une évolution, un changement. On vous parle vraiment d'ascension dans votre vie. Il peut y avoir une décision qui concerne aussi un déménagement, on voit vraiment une transformation ici. La cigogne, c'est quand même un grand changement dans votre vie. Quel que soit le domaine, vous allez vous sentir guidé pour justement mettre en place de nouvelles choses. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui va prendre des décisions autour de vous. Cette carte peut vous parler d'une personne qui a une énergie très maternelle, très protectrice. Ça peut être aussi une personne avec qui, justement, vous avez une relation très importante. Nous avons aussi la carte du livre. Donc, on voit ici que vous allez approfondir certaines choses. Il va y avoir des révélations. Il va y avoir peut-être un secret qui va vous être révélé. Et cela va amener un grand changement dans votre vie. On voit que c'est quelque chose qui va être comme une prise de conscience pour vous. Avec la carte du livre aussi, vous avez à cœur d'approfondir certaines connaissances, certaines compétences dans un domaine, mais on voit vraiment que les choses évoluent. Nous avons aussi la faux, donc on voit des décisions importantes. Peut-être que vous allez vous libérer d'une situation aussi où il y a eu des non-dits, des secrets qui pouvaient être présents. Mais avec la faux aussi, on voit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Nous avons les étoiles, donc vous avez espoir dans vos projets. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. La carte de l'étoile nous indique aussi que vous allez pouvoir réaliser vos souhaits, vos rêves. Mais c'est une carte qui vous parle d'apaisement, qui vous parle de relaxation. Donc vraiment une grande sérénité qui va arriver dans votre vie. Nous avons le lys, donc ça peut être justement quelque chose qui va pouvoir se concrétiser par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Ça peut être en lien avec une procédure, ici ça peut être aussi en lien avec des démarches administratives. Le roi de pique représente en tout cas quelqu'un de compétent. Ça peut être un avocat, un juge, un médecin. C'est une personne qui va vous aiguiller, qui va pouvoir justement vous apporter des conseils qui vont vous permettre d'avancer. Et nous avons aussi l'ours, donc vous avez la force en vous. On voit aussi quelque chose qui va s'officialiser au niveau de vos finances. On vous parle vraiment d'une évolution au niveau matériel. Donc dans ce qui ressort ici, on vous parle d'un retour à la sérénité par rapport à des conflits, des tensions qui étaient présentes. On vous parle d'une évolution. Il y a un grand changement qui est en train de se concrétiser. Vous allez tourner une page importante pour pouvoir avancer vers un renouveau. Et on voit aussi que c'est la fin des blocages, des difficultés qui étaient présentes. On vous parle aussi de documents. Alors, il y a des documents administratifs, ça peut être aussi des documents officiels. Et on voit vraiment une concrétisation qui va arriver par rapport à des démarches que vous entreprenez. Il y a eu peut-être aussi une perte au niveau matériel. C'est une énergie qui peut être encore présente. Mais on voit des décisions dans votre vie matérielle. On voit vraiment qu'il y a de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre tout ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, je vais reprendre les cartes et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc en tout cas, j'espère que ce premier tirage résonne en vous. Alors, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons la dame de trèfle et le 9 de carreau. Donc ici, peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation. Ça peut être des retards, ça peut être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui va pouvoir bouger, qui va pouvoir évoluer. Ça concerne des démarches que vous entreprenez. Ça concerne aussi un voyage, un déplacement qui vous tient à cœur. Donc on voit vraiment que les choses vont pouvoir évoluer.
Alors, quels sont les messages? Au dos du jeu, nous avons le 10 de carreau, le 8 de carreau et le 10 de cœur. Ici, on vous parle d'un déménagement, on vous parle aussi d'un voyage qui va se concrétiser, en tout cas un grand changement qui arrive dans votre vie. On voit aussi qu'il y a peut-être des déplacements pour aller voir des personnes de votre famille, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite, une personne ici avec qui vous avez un lien important. On voit aussi avec le 10 de carreau que les choses sont en train de bouger, sont en train d'évoluer. On a quand même ici des énergies de fin de cycle, de transformation qui arrivent. Alors, nous avons la carte du valet de carreau. Nous avons le valet de pique, nous avons le roi de pique, le 8 de pique, l'as de pique et nous avons le roi de carreau. On a beaucoup de cartes de pique. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a une situation un petit peu mystérieuse actuellement, mais aussi des démarches importantes que vous entreprenez. On vous parle de nouvelles officielles, des nouvelles qui sont en lien avec une procédure ou avec des démarches administratives. On a encore une fois le roi de pique. Donc on voit une personne compétente qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous conseiller par rapport à des blocages qui sont présents. On voit que actuellement vous entreprenez des démarches pour officialiser un projet, pour vous engager dans quelque chose de nouveau. Alors on vous parle aussi d'un contrat, ça peut être un contrat au niveau professionnel ou ça peut être un contrat qui vous relie dans un projet qui vous tient à cœur. On vous parle aussi de rivalité avec le valet de pique, on vous invite à la prudence. Il peut y avoir une personne autour de vous qui essaie de ralentir certaines choses, que ce soit un homme ou une femme. On voit qu'il peut y avoir des énergies un petit peu négatives qui sont présentes. Vous allez communiquer aussi avec une personne. Vous allez vraiment échanger, avoir des discussions en lien avec une personne peut-être qui vit loin de vous ou une personne aussi qui voyage actuellement. Mais on voit que les choses vont pouvoir vraiment se concrétiser. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Alors, à la coupe, nous avons l'intelligence et nous avons les pourparlers. On voit des communications ici qui vont permettre d'éclaircir certaines choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous révéler un secret, quelqu'un qui va vous transmettre une information importante. On voit aussi des communications très profondes, très intenses qui vont être présentes, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, on a la carte de la découverte, l'inconstance et la carte de l'argent. Il y a ici une révélation, il y a un message important qui va arriver à vous. Ça peut être quelqu'un qui va vous révéler quelque chose qu'il ressent. Ça peut être aussi une information qui va vous permettre d'avancer. On voit des nouvelles aussi en lien avec votre vie matérielle. Il y a pu y avoir des hauts et des bas qui peuvent être encore présents, mais on voit que vous allez approfondir certaines choses. Il va y avoir quelque chose vraiment qui va apporter des énergies très intenses. Donc vraiment une révélation, un message que vous allez recevoir. Alors nous avons la carte de la beauté, nous avons la renommée, la fatalité, la nativité, le feu et nous avons la carte des entreprises. On voit un nouveau projet par rapport auquel il y a vraiment une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. On voit aussi que vous allez vous libérer d'une situation qui pouvait vous bloquer depuis longtemps. Il y a aussi un projet en lien avec votre vie professionnelle, quelque chose que vous construisez, quelque chose que vous mettez en place au fur et à mesure du temps. La carte de la nativité représente une nouvelle énergie qui va être présente. On vous parle aussi d'une passion amoureuse, on vous parle d'une personne aussi qui dégage un charisme important. Ça peut être aussi une personne qui vous admire, une personne qui ne vous a pas encore révélé ce qu'elle ressent. Et on voit vraiment que vous mettez en place beaucoup d'efforts, que vous construisez de nouvelles choses. Mais avec cette carte, il y a aussi une fin de cycle importante. Donc vraiment un nouveau chapitre de votre vie qui va commencer.
La carte de la renommée nous indique que vous allez avoir une reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place. On peut vous parler aussi de célébrité, on peut vous parler vraiment ici d'efforts qui vont être récompensés. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi un petit peu les messages du petit oracle de l'intuition. Alors ici, nous avons la carte de l'hiver, donc quelque chose qui se prépare pour la période de l'hiver. La carte de l'hiver nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui va être libéré. Ça peut être une situation qui stagnait, vraiment des énergies qui ralentissaient, mais on voit aussi que vous allez entrer dans un nouveau chapitre de votre vie. Nous avons l'intuition, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. On voit que cela va vous permettre de tourner une page, d'avancer dans une nouvelle direction. Nous avons la création, on vous invite vraiment à écouter vos ressentis pour créer quelque chose qui vous tient à cœur, pour construire quelque chose que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps. Nous avons les signes, donc il va y avoir beaucoup de messages, beaucoup de signes concernant quelque chose que vous souhaitez créer. Peut-être un projet artistique aussi, mais on vous parle vraiment d'informations, de messages intenses qui vont être présents. Nous avons la lenteur. Donc tout de même, ici, on vous invite à prendre le temps nécessaire, à ne pas vous précipiter. Vraiment, votre intuition va être très présente, va vous guider. Il va y avoir des synchronicités aussi qui vont être là et qui vont vous permettre de créer, de mettre en place de nouvelles choses. On vous parle d'abondance, les amis. Donc, vous allez récolter le fruit de vos efforts. On vous parle d'une période qui va être très bénéfique où, justement, c'est le moment pour vous de récolter tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place depuis longtemps. Nous avons l'été. Alors, ça peut être des périodes significatives pour vous. Ça peut aussi nous indiquer que la période de l'été, ici, ça peut nous montrer qu'il y a justement des énergies de récolte, d'abondance, hein, des énergies de gaieté, de joie. Donc vraiment où vous récoltez de nouvelles choses. Nous avons le début, on vous parle d'un renouveau dans votre vie. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être aussi une nouvelle relation. Mais la carte du début symbolise vraiment de manière générale une nouvelle énergie qui va être présente dans votre vie. On vous dit que vous avez les clés, on vous dit qu'il y a des solutions qui vont arriver par rapport à quelque chose que vous allez construire. Il y a eu peut-être un sentiment d'échec, mais on voit que c'est la fin ici d'une période complexe. On voit que vous allez retrouver du plaisir et de la joie. Donc voilà les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc, on verra les petits cœurs et on va commencer par voir les messages avec l'oracle de l'Améthyste Love. Plutôt l'Améthyste Love Oracle. Alors, quelles sont les énergies? À la coupe, nous avons les schémas répétitifs et j'attends ton retour. Vous attendez ici de recevoir certaines informations. Ça peut concerner une relation du passé, mais ça peut concerner aussi des schémas répétitifs qui reviennent dans votre vie amoureuse. On voit que vous attendez de recevoir de nouvelles choses. Et c'est une période aussi d'observation pour vos niveaux sentimentaux où vous prenez énormément de recul sur tout ce que vous vivez. Alors, quelles sont les énergies? Une. Au dos du jeu, nous avons la carte de la grand-mère. Alors, la grand-mère, ça peut effectivement représenter une personne de votre entourage. Ça peut nous parler d'une personne qui a une grande maturité, une grande sagesse. Ça nous indique vraiment qu'au niveau sentimental, vous allez faire le point. Vous allez analyser tout ce qui vous entoure. Alors, nous avons le succès. Nous avons la carte de la liaison secrète. Nous avons la relation instable. L'amour éphémère, la carte de l'amour envoûtant, la prudence, l'événement rapide, le froid, et nous avons la carte de la meilleure amie. On vous parle ici d'épanouissement dans votre vie amoureuse, on vous parle d'une relation peut-être secrète, d'une relation aussi assez mystérieuse avec une personne, ou ça peut être aussi avec quelqu'un d'assez mystérieux. Il y a eu des hauts et des bas, il y a peut-être encore des hauts et des bas qui sont présents dans une relation,
Mais on voit que vous ressentez quelque chose de très intense, de très profond. C'est vraiment un amour envoûtant. C'est une relation où il y a une forte attraction qui est présente. On vous invite aussi à prendre le temps. On peut nous indiquer aussi que vous avez envie d'analyser les choses, de ne pas précipiter aussi des projets que vous souhaitez construire. On voit que les choses vont pouvoir bouger, vont pouvoir avancer plus rapidement que prévu. En tout cas, il y a une libération des blocages qui va être présente. La carte de la meilleure amie nous indique qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui va être présente pour vous. C'est vraiment quelqu'un à qui vous allez pouvoir vous confier. C'est une personne qui va avoir une écoute attentive. Alors, quels sont les messages des petits cœurs? Donc, prenez uniquement si ces messages résonnent en vous. Alors, nous avons la carte Les Miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc ici, on a une très belle énergie. On voit que vous allez pouvoir réaliser un rêve, un souhait que vous avez. On vous parle de miracle, de bénédiction qui arrive dans votre vie amoureuse. Nous avons aussi l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ici, on vous invite vraiment à vous connecter à votre être, à tout ce que vous ressentez en vous. On vous dit que vous êtes une personne unique. Donc, on vous invite aussi à vous connecter à tout ce que vous ressentez en vous. Et nous avons aussi l'amitié qui vous dit « Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. » Donc, on voit beaucoup de complicité, beaucoup de partage avec la personne de votre cœur. Ça peut être une relation amicale aussi qui va se transformer en relation amoureuse. Mais on voit que vous partagez énormément de choses avec cette personne. On voit que vous comprenez, vous êtes vraiment dans une osmose dans cette relation. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, je reprends les cartes et on va voir les messages de nos chers breloques. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la lune et nous avons encore une fois la lune. Donc ici, on a vraiment des intuitions très fortes. On vous parle aussi de rêves, on vous parle de synchronicités qui sont présentes. Donc pour cette journée, on vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure, des messages que vous percevez, que vous ressentez en vous. Donc c'est quand même une énergie très forte qui ressort ici. Concernant votre foyer, nous avons le symbole de l'infini. Donc, par rapport à votre foyer, vous êtes connecté à tout ce qui vous entoure. Vous recevez les messages de l'univers. Vraiment, vous ressentez une forte connexion. On vous parle d'un engagement, on vous parle d'un contrat. On voit une relation amoureuse qui va s'officialiser. Ça peut être un mariage, une union. Il est question de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. On voit aussi beaucoup d'amour, beaucoup de partage avec les personnes avec qui vous vivez. Concernant un voyage, nous avons la lettre G. Donc ça peut représenter une personne qui porte ses initiales, qui vit loin de vous. Ça peut représenter aussi une destination. Au niveau amical, nous avons ici la lettre. Donc la lettre ici peut nous indiquer un message, peut nous indiquer une information que vous allez recevoir. Ça peut être des communications écrites avec une personne. Au niveau sentimental, on vous parle de complicité, on vous parle d'une relation amicale qui va évoluer en relation amoureuse. Dans votre moi intérieur, nous avons le temps. Donc, on voit ici que vous sentez connecté à l'instant présent. Vous sentez aligné avec tout ce qui vous entoure. Au niveau familial ici, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir trouver les réponses par rapport à votre cheminement de vie. Au niveau professionnel, on vous parle de sagesse. On vous parle aussi de clairvoyance. Nous avons aussi la fée, donc vous vous sentez vraiment ancré par rapport à votre vie professionnelle. Vous allez pouvoir développer une passion que vous avez. Au niveau financier, nous avons la chaussure. Donc la chaussure peut nous indiquer que vous avancez en prenant le temps nécessaire. Et au niveau général, nous avons la sirène. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité qui vous guident. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors, on va voir aussi un petit message du petit oracle de l'étoile bleue. Donc, on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, pour cette journée, nous avons ce message. Donc, nous avons l'abondance qui est tout de suite ressortie.
Donc, ce petit message vous dit, vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Donc ici, on voit que vous allez recevoir des récoltes par rapport à tout ce que vous avez construit. On voit des énergies positives qui arrivent à vous. Donc ce message a voulu tout de suite ressortir. Et on va voir aussi un message. Donc je vais tirer une carte, deux cartes de l'oracle des gardiens de la lumière. Et vous avez le choix entre deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un jade. Et pour la deuxième pierre, vous avez une cornaline. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message pour vous. Alors, on va commencer par le message du jade. Donc, cette pierre, c'est une pierre qui est un porte-bonheur, qui apporte des énergies positives. C'est une pierre qui favorise les nouvelles opportunités, qui apporte la chance et l'abondance. Donc, pour vous, nous avons Sainte Améthyste qui vous parle d'alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte? Donc, Sainte Améthyste. Alors, juste le temps que je trouve le message. Alors, on vous dit, vous êtes prêt à dépasser les énergies et les situations qui ne vous sont plus utiles et à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus délibéré. Vous devez sentir un véritable besoin de nettoyage, non seulement mental et émotionnel, mais également physique. Vous semblez avancer au-delà des problèmes et forger des opportunités en or, à partir d'expériences malheureuses ou stagnantes. Il est important de reconnaître que vous êtes comme un magicien en ce moment, possédant la capacité d'utiliser vos pensées, votre volonté et vos actions pour attirer des occasions qui vous comblent et réalisent vos rêves. Il est important de vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs, parce que là où vous poserez votre énergie, tout commencera à se développer. Faites appel à Sainte Améthyste pour vous aider à focaliser vos pensées sur des opportunités. Donc ici, on vous invite vraiment à attirer de nouvelles énergies vers vous, à vous focaliser sur les énergies positives. Et on va voir aussi le message de la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui rebooste. C'est une pierre qui apporte beaucoup d'énergie, qui permet aussi de développer la créativité. Nous avons pour vous Maître Jésus qui vous dit le pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message? Alors, cette carte vous dit le pardon est un acte d'amour de soi. Vous êtes encouragé à découvrir que même si vous avez fait du mal aux autres ou à vous-même, le divin ne vous condamne pas. Vous n'avez pas à oublier ce qui s'est passé, mais vous ne devez plus laisser toute votre vie découler d'une situation qui ne vous procure pas le bonheur. Jésus est présent pour apporter des guérisons miraculeuses à vous et à tout votre entourage, qui vous délivreront du fardeau de la culpabilité. Il veut que vous sachiez qu'il voit en vous l'enfant de Dieu. Il apporte également clarté et guérison à toutes les situations concernant votre Père, qu'il soit sur terre ou au ciel. Donc ici, on a des énergies très puissantes pour vous. On vous indique vraiment que vous allez pouvoir retrouver la paix, la sérénité. Ça peut être aussi une invitation à faire la paix avec une personne ou un événement en particulier. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour toutes vos commandes sur ma boutique en ligne, pour votre fidélité et pour votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.